Bref, ça faisait une semaine que j'attendais les résultats de mes partiels sur S Academia. C'est le moment où tout se joue. En général, les gens s'inquiètent pour rien. Sauf que dans mon cas, je suis vraiment le dernier des glandeurs. Pourtant, à mon entrée à l'EPFL, j'étais super motivé. Pour passer de là à là, il s'est passé plein de choses. Au début, je mettais mon réveil à 7h15 pour être levé à 7h15 et arriver à l'EPFL à 8h, 15 minutes avant le début du cours. Je prenais en note tout ce que disait le prof. Mais très vite, après quelques soirées et quelques bières à sat, j'ai dû trouver un moyen pour me lever à l'heure parce que la motivation, c'était plus ça. Du coup, pour me lever le matin, je mettais mon réveil 30 minutes plus tôt pour le faire sonner toutes les 5 minutes. Malheureusement, ce n'était pas une solution très efficace. Au début, ça allait, et un jour, j'ai commencé à avoir des sérieux problèmes. Il y a ce gars qui m'avait jamais parlé qui est venu me demander si j'étais prêt. T'es prêt ? Je lui réponds. Quoi, pourquoi ? Il me dit. Bah, le test d'info. Je lui dis. Tu déconnes ? Il me dit. Non, trop pas ! Je l'ai fixé en essayant de voir s'il déconnait. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Après mieux réflexion, j'en ai compris qu'il déconnait pas. Arrive la première session d'examen et les premières révisions, celle où tu te rends compte que t'es vraiment à la masse. Heureusement, tu peux toujours compter sur ceux qui ont suivi le cours. T'as un micro, toi, non ? Juste une petite question par rapport à la série 2 d'analyse. C'est quoi le Z entre deux barres ? Il s'est retourné lentement et m'a dit. T'es sérieux ? J'ai entendu. T'es une merde ! Il m'a dit. Bah, lis ton cours ! J'ai compris. Tu vas te chier ? À chaque sortie d'examen, il y a toujours un gars pour te demander. Toi aussi, t'as trouvé arcane de exponentielle de x carré plus 9 à l'exercice 3 ? J'ai répondu. Ouais, un truc du genre, ouais. J'avais trouvé 4. À la fin de la première session, j'avais eu 3 en analyse, 5 en chimie, 3,5 en ingénierie et 3 en physique. Ça me faisait une moyenne de 3,5 et je me suis dit que je pourrais la rattraper au deuxième semestre en me mettant à travailler. Sauf qu'après 3 semaines de vacances, j'ai très vite repris la même routine. Les mêmes schémas se répètent. Dis voir, t'as commencé ton projet d'info. Et t'en es où dans ton projet méca ? T'as aussi trouvé racine de 2 plus log de racine de 2 plus 1 à l'exercice 2 ? Et alors que j'attendais les résultats, je me suis souvenu que j'étais super motivé de venir à l'EPFL quand on m'a montré la vidéo de présentation avec le satellite FizzCube et les robots qui ne montrent que lors des visites. Que des gens m'ont dit que la première année est difficile et que 50% des gens échouent. Que une personne sur deux dans ma classe est un double. Et que ma mère est persuadée que je passe bien. Et malgré ça, j'ai encore l'espoir qui m'est épargné pour la natation. Putain. Bref, je retape ma première. Hey, t'es au micro toi, non ? J'aurais une question pour la série 2 d'analyse. Allez, ton cours.